Enxuga as tuas lágrimas, Elul eternel, e louve ao Senhor. Aleluia. isoida pondungwakala esilaka elengi te oh zabe yoka kongo mawa bakoma koboma biso lokola bandindi na wenze mabe tosali toyebi te don destat senor liberame El Dios Misericordioso, Te amo mucho Jésus. Jésus Christo es mi amor. Bien moté manakolo de go. Maman caca, kanga Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu perdu heureux celui qui marche dans les voies de l'éternel tu jouis du produit de ton travail et tu prospères celui qui craint l'éternel ouvre une ici en toutes circonstances au pays à cadase pour Jésus qui a ma artan rouge na mibale tuya kindumba olonga na piste ambuteage ya pamba anoai ka léternel etitika masumu na yo wana nzambe ya kozonga bikolo oyo jésus rebien bien to don ton cer a cesuis monami vanité de vanité sour la terre dans jésus lo dou chéri ce toi que j'aime <laughs> je t'aime trop 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 oleki kondolona kuangana elengi <laughs> que ce bo lamour aime ta femme hein, mon frère toi fidela ta femme la fidélité elengi anibala dans la fidélité Ah c'est qui a pas dans mais... Nous qu'à danser Pour Jésus La vie est belle avec Jésus Celui qui craint l'éternel Prospère je dis Voici mon serviteur Il prospérera Puis nous va passer au la rafraîchie Puis nous, nous a clair parceque te est en bon patron iaye coma tipese atdevuacofoci ya problème walubadikema <laughs> hey, okay. ah, 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 ah. <gallou> cilomucadinene ah. agnès lisiki leki ya motéma ah. bo nzambe ambola elisée nangai naomi lor eser On se moque ou pas de Dieu, c'est qu'un homme s'aime, tôt ou tard, il le récoltera. Hein? Ok Mesigamo, ma tu comme quoi t'as la lobby prolongation. Et que ce prolongation petit, mais si tu prolongation, tu tu gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you Jah. Thank you God. Thank you Lord. Gracias à montuelle Seigneur par la tonos que toi Saint-Bimida Bonjour Bonjour chers amis téléspectateurs c'est avec une très grande joie que cela euh, nous a partagé parole à Bondier. Parole qui a fait nous du bien. Parole qui a transformé vie à nous. Parole qui n'est solution pour tout, tout problème à nous. J'ai dit toujours, dans la vie, une vie sans problème n'existe pas. Tant que nous sommes sur terre, nous aurons toujours des problèmes. Tant que tu vis sur terre, tu auras toujours des problèmes. C'est pour cela il y a un adage que les gens disent souvent qui vivra verra. Qui vivra verra. Mais avant nous euh, commencer parole à Bondier. Je d'abord dire un mot sur ce que c'est un pasteur. J'ai lu souvent les commentaires des téléspectateurs sur mes interventions sur Télé en particulier sur l'émission qu'on appelle Showroom, l'émission de Jean-François Saint-Louis. Et je constate que euh, beaucoup de gens ne comprennent pas que je suis un invité qui répond à des questions. Euh, L'animateur me pose des questions qui le qui le convient. Et moi, étant qu'invité, j'essaye de répondre. Et pareil que dans la page Facebook ou TikTok de de télé l'animateur prend des extraits qui l'intéressent. Par exemple, je vis un monsieur me poser la question pourquoi je ne parle pas de chlore de crône. Et pourtant, j'en ai parlé. Dans une émission de 4h30, j'en ai parlé et j'ai même insisté pour cela. Mais cet extrait que j'estime très important, n'a pas été publié ni dans, bon, n'a pas été mis en évidence. Et bien sûr, c'est très facile de critiquer, mais prendre trois minutes dans 4h30 d'émission, croyez-moi, c'est pas aussi facile que vous ne le pensez. Donc, pour que Jean-François puisse prendre des extraits, c'est pas aussi évident, parce que monsieur n'y travaille y. Mais c'est ni en l'occupation, occupation. Et il fait ça par passion. Mais il ne peut pas passer deux heures et deux heures à regarder quatre heures d'émission pour choisir. Donc, euh, c'est pas facile. Et surtout, je suis pas le seul. Il y a plusieurs invités dont il doit regarder leur, euh, intervention et prendre des extraits. Mais j'aborde, euh, des sujets très importants. Et souvent, en tout cas, dit, mais pourquoi il critique toujours, il parle toujours du mal? C'est faux. Si vous regardez une émission de, de deux heures, vous allez voir, il y a des côtés où je parle beaucoup du bien des Guadeloupéens, de leur qualité. Bon. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours mis en évidence. Je pense pas que c'est intentionnel. C'est le volume du travail qui est énorme. Le volume du travail qui est énorme. Et c'est pour cela que certains passages ne sont pas mis en évidence. Donc, et, et je constatais aussi que il y a des gens qui ont une image, euh, comment j'ai dit, qui ont des préjugés sur un pasteur. Un pasteur peut être ingénieur. Un pasteur peut être pédiatre dans la vie civile. Un pasteur peut être militaire dans la vie civile. Un pasteur peut être psychologue dans la vie civile. Donc, un pasteur peut avoir plusieurs casquettes. Il peut être musicien. Moi, je suis auteur, compositeur. Voyez. Un pasteur peut avoir plusieurs facettes. Nous avons Martin Luther King, qui a lutté pour le droit civique. C'était un pasteur. Voyez. Il a lutté pour le droit civique. Donc, Dieu n'interdit pas qu'on soit impliqué dans la vie de chaque jour. Voyez. C'est pour cela que les gens qui ont une image religieuse du pasteur ont du mal à comprendre. J'ai entendu des commentaires comme quoi cet homme-là c'est pas un pasteur. Cet homme-là ça ne peut pas être pasteur. Il ne parle, il ne parle pas de la Bible. Mais la Bible c'est la vie de chaque jour. La Bible dit, Marie aime ta femme. Si je donne des conseils aux maris pour qu'ils aiment, leur femme mais je parle de la bible sans citer obligatoirement euh, la versets, et surtout euh, c'est ce que vous ne comprenez pas lorsque nous parlons à un public païen ils s'intéressent pas à la bible si tu te leur dis il est écrit dans la bible ça les intéresse pas du tout mais lorsque tu fais appel à leur bon sens tu leur expliques euh, pourquoi ceci n'est pas bon pourquoi cela n'est pas bon Ils vont plus vous écouter. Donc, euh, des fois, les gens, ils ont une fausse idée. Et, et moi, je suis politiquement très engagé. Vous connaissez Bishop Eli. Beaucoup ne me connaissent pas. Beaucoup ne me connaissent pas. Je suis l'un des premiers jeunes opposants de l'ancien régime du président Mobutu qui est déjà mort. Je suis l'un des plus jeunes. Vous voyez, j'étais très engagé politiquement parce que je suis contre l'injustice. Et croyez-moi, quand vous êtes opposant en Afrique d'un régime politique qui a le pouvoir dictatorial, il faut du courage. Parce qu'ici, en France, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez aucun risque, vous n'avez pas à craindre pour votre vie. Mais en Afrique, quand vous vous opposez à un régime comme celui de Mobutu, vous pouvez disparaître et sans suite et personne n'a rien à dire. Je peux vous le dire. Donc moi, j'étais opposant à ce régime. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis venu en France, je me suis réfugié en France. J'ai demandé l'asile politique. Voyez, mon beau-père était un ami personnel de Nelson Mandela. J'ai des photos où il est avec Nelson Mandela. Et il y a des gens qui pensent que les Africains sont comme des singes qui descendent d'un arbre. Pourquoi les gens pensent que les Africains sont comme des singes qui tombent d'un arbre? Et on n'est pas tous pareils. Il faut pas tout mettre dans un seul, dans un même sac. C'est comme des fois les préjugés qu'on a sur le, le dominicaine, On pense que tous les dominicaines sont des malheureuses. Mais si vous allez à Saint-Domingue, vous allez voir des dominicains, des dominicains et des dominicaines, des dominicaines bien lotis, des grandes familles du fois qu'en Guadeloupe ou aux Antilles. Donc on a souvent des préjugés parce que certaines femmes quittent la République dominicaine pour faire la prostitution aux Antilles et parfois ces femmes-là sont d'une classe sociale basse, qui, elles viennent de la campagne parfois, elles n'ont pas d'éducation parfois, ce n'est pas un dénigrement. Mais ne pensez pas que toutes les dominicaines sont pareilles. Ne pensez pas que toutes les dominicaines sont pareilles. C'est complètement faux. C'est une erreur grave. Donc je suis un homme engagé. Enfin, j'étais tellement engagé que euh, lorsque le président, le colonel Kadhafi, recrutait des soldats pour aller euh, renverser le régime de Mobutu, euh, moi j'étais candidat. Je, je devais normalement aller en Libye suivre un entraînement militaire pour aller renverser le régime de Mobutu parce que j'avais compris que ces gens ne respectent que la force. En Afrique, c'est la force, voyez. Mais euh, c'est là où Dieu m'a arrêté. Euh, c'est là où je me suis remis en question. Euh, J'ai compris que euh, tuer était un péché. Et que c'était pas mon travail de d'aller tuer quelqu'un mauvais qu'il soit. Je compris que j'ai commencé à déraper. C'est en ce moment-là que j'ai arrêté euh, ce mouvement politique et je me suis engagé à prêcher l'évangile. Mais en étant en France, j'ai constaté le racisme. Je dis bien le peuple français. C'est le moins raciste qui existe. C'est le moins raciste. Si vous allez dans les pays maghrébins, lorsque le noir passe, certaines personnes crachent par terre. Croyez-moi. Si vous allez en Chine, lorsqu'un africain veut prendre un taxi, les taxis s'arrêtent pas. Les taxis ne s'arrêtent pas. Il peut faire une heure à deux heures dehors, attendre un taxi, les taxis passent lorsqu'il voit un noir. Donc, euh, en France, il n'y a pas ça. Donc, euh, le peuple français n'est pas aussi raciste qu'on ne le pense. Mais quand même, il y en a le racisme. Ça existe. C'est comme la police de la police. Euh, un soldat a pris sa matraque, a fait entrer ça dans l'anus des Noirs. La police de la police a qualifié ça. Comme une erreur, c'était un service sexuel. Mais la police, la police, a dit que la matraque est rentrée dans l'anus. 8 cm de matraque dans l'anus d'un Africain, c'était par accident. Une frappe accidentelle. Mais 8 cm dans l'anus d'une personne. C'est malheureux ce malheureux, c'est pour cela moi je crois pas à la police et la police parce qu'il y a des aberrations qu'ils disent, il y a des choses qu'ils disent qui sont vraiment hallucinant, hallucinant. La justice veut que on pas de parti pris. Et par rapport à cela, euh, j'ai pris conscience aussi de la situation malheureuse que tous les Afro, les Afro descendants, nous souffrons. On est persécutés partout dans le monde et on n'est pas aimé. On n'est pas aimé. Aux États-Unis, on nous tue. Et 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 puis alors, il y a tellement de préjugés sur nous, les hommes de couleur, voyez. Il y a tellement de préjugés sur nous, des discriminations, des injustices. Oui. Mais le problème que nous avons, c'est que nous devons aussi nous comporter en conséquence d'une manière digne. Le racisme existe, mais il y a une forme de racisme que nous-mêmes, nous créons. Parce que nous avons un comportement. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, les prisons sont remplies de descendants afro. Si vous allez aux États-Unis, les prisons sont remplies de latinos et des descendants afro. Voyez. Et si vous venez en France, malheureusement, certains de nos enfants, eux qui sont en première ligne pour vendre la drogue, les arabes et les afros, bien sûr. Voyez, ce genre de comportement fait que ça n'arrange pas, et ça sent pire. Voilà pourquoi mes interventions où je suis toujours en train de d'essayer de corriger, de, de conscientiser mes frères africains, mes euh, vous, mes frères entiers, pour vous dire comportons-nous d'une manière digne. On est déjà assez victime des discriminations. Comportons-nous d'une manière digne. Malheureusement, euh, certains prennent ça comme pour des dénigrements. Certains vivent, vivent ça mal. Mais comment vous pouvez vous corriger si on vous dit pas la vérité Voilà un peu euh, euh, l'état des choses. L'état des choses. Euh, avant de, de de prêcher, je voulais en parler. Et quand je critique certains comportements entiers, les entiers sont pas contents. Et quand je critique certains Africains, sont contents. Et quand je critique certains comportements des Africains, les entiers sont contents, les Africains me détestent. En fin de compte, c'est du, du enfantillage. Nous devons être unis, nous devons, nous les Afros, nous remettre en question, nous devons être unis, nous remettre en question et nous corriger. Arrêtons de, de, de donner raison aux préjugés raciaux. Regardez vous-même, quand vous allez en Amérique, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord, le pays le plus pauvre, le plus médiocre, c'est le pays des Afros, Haïti, dirigé par des Afros. Et quand vous allez là-bas, vous allez constater le racisme, les dictatures, les comportements. En fin de compte, cela ne donne pas du crédit à notre image. Cela va renforcer toujours certains préjugés que les gens ont déjà sur nous. Vous voyez? Je voulais faire un petit, une petite introduction et, et après nos cas entrer dans le vif du sujet. Moi, enfant de Dieu, Jésus Christ dit: Mes brebis attendent ma voix et me suivent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduira, il me guidera, il me dirigera. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. C'est quoi attendre la voix de Dieu? C'est suivre la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est garder la parole de Dieu en soi. C'est obéir à la parole de Dieu. Maintenant, les chrétiens obéissent au gourou évangélique. Maintenant, les chrétiens sont comme des moutons. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu et la voix d'un homme. La voix de Dieu et la voix des démons. L'apôtre Paul dit N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a beaucoup des esprits d'antichrist. Aujourd'hui, des gourous, des faux pasteurs vous disent Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Un homme va dire qu'une femme mariée, c'est sa femme. Une femme qui est mariée, il va la prendre, il dit C'est le Seigneur qui m'a dit. Et vous croyez. Depuis quand Dieu est pour l'adultère Depuis quand Dieu est pour l'adultère Ce n'est pas le Seigneur qui lui a parlé. Écoutez l'esprit. Dans les rapports sexuels, c'est le mélange de fluides. Celui qui commet l'adultère pêche contre le temple de Dieu, détruit le temple de Dieu, et Dieu promet de détruire la personne. Écoutez bien. Lorsque un homme et une femme sont dans l'intimité, couchent ensemble, il y a le mélange de fluidité. Le fluide spirituel se mélange. Les malédictions que l'homme a. Et les malédictions que la femme a se mélangent. Quand tu prends un verre de café, tu le mélanges avec un verre d'eau. Ça se mélange. Alors, ce mélange se traduit par des MST, maladies sexuellement transmissibles, qui doivent être traitées. Il faut un traitement. Il ne suffit pas seulement de confesser. Il ne suffit pas seulement de se repentir. Il faut un traitement. Mais il y a aussi des MST, maladies sexuellement transmissibles. MST maladie sexuellement transmissible MST maladie spirituellement transmissible et ces maladies là il faut la délivrance voilà pourquoi il y a des femmes dès qu'ils connaissent un homme ils peuvent pas s'en séparer ils peuvent pas vivre sexuellement avec un autre homme parce que elle est possédée elle est contaminée Alors, nous allons parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, euh, je voulais parler avec vous de la louange. La louange qui est quelque chose de très importante. La louange. Malheureusement, elle est très mal comprise. Dans le milieu chrétien. Louer Dieu, c'est louer Dieu en un mot, lui donner la gloire qu'il mérite. Se glorifier Dieu, c'est exalter Dieu, c'est célébrer Dieu. C'est ça la louange. Et il y a deux sortes de louanges. La louange qui est une action de grâce, la louange qui est une action de grâce où on rend grâce à Dieu pour des choses hein, qu'il a fait. Par exemple, vous avez été guéri, vous le remerciez, vous le louez parce qu'il vous a guéri. Il y a la deuxième sorte de louange. Qui est la louange de la foi. La louange de la foi, c'est louer Dieu pour ce qu'il fera. Il n'a pas encore fait, mais il fera. Voilà, c'est deux sortes de louanges qui sont très importantes. Mais j'aimerais avant tout, avant de vous parler de la louange, vous dire quelque chose qui est importante. Louer Dieu, c'est, louer Dieu, c'est élever Dieu. C'est donner la gloire à Dieu. Et Dieu promet d'agir pour sa gloire. Nous voyons dans Ésaïe 48, verset 11. L'Éternel Dieu dit, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom sera, serait-il profané, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc la raison principale pour laquelle le Seigneur agit, c'est pour l'amour de lui. Isaïe 38, verset 11. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut que les hommes le reconnaissent. Dieu veut que les hommes l'adorent. Nous savons que le Père cherche des adorateurs. C'est exactement ce que nous faisons quand nous louons Dieu. Quand nous louons Dieu, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous levons, nous le magnifions. Et c'est ce que le diable déteste. Nous allons voir que ce que la louange peut changer dans votre vie de prière. La louange est une puissance extraordinaire. Et elle doit occuper une grande partie de votre vie, une grande partie de la prière. Vous, voyez, vous pouvez balayer la maison en chantant un cantique à la gloire de Dieu. Vous pouvez rouler en voiture. Par exemple, comme je conseille à, à certaines personnes, parfois le matin, on n'a pas toujours le temps de prier parce qu'il faut se préparer, il faut se réveiller très tôt, il faut se préparer et il faut aller vite au travail. Mais si vous convertissez, par exemple, le temps du trajet en temps de louange, si vous avez 45 minutes ou une heure de trajet, vous mettez la louange et vous parlez en langue pour ceux qui parlent en langue ou vous chantez avec votre, votre appareil de musique. C'est une heure de trajet qui sera rentabilisée spirituellement en une heure de louange. Imaginez-vous que vous faites une heure aller, une heure retour. Ça fait deux heures de gagner. Et si pendant que vous vous lavez dans la douche, vous louez les seigneurs, vous chantez des cantiques ou vous parlez en langue, pendant que vous cuisinez le soir, vous louez les seigneurs, vous parlez en langue ou vous chantez des cantiques, imaginez-vous la quantité du temps que vous allez passer dans la prière. Voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui a un style de vie de prière. Avant, Prier, c'était réserver un temps où on ne faisait rien. Où prier, c'était allumer des bougies. La conception même religieuse de la prière, c'est allumer des bougies, se mettre à part, se mettre à genoux dans le silence pour parler à Dieu. Alors que nous avons compris aujourd'hui que Jésus-Christ a révolutionné tout cela. Il nous dit que nous sommes devenus le temple de Dieu. On n'a pas besoin d'aller dans un endroit géographique pour prier. Nous sommes devenus le, le temple de Dieu et avec le Saint-Esprit en nous, qui parle en langue en nous, on peut conduire en priant, on peut dormir en priant, on peut balayer la maison en priant, on peut laver les assiettes, on peut s'occuper à, à nos tâches euh, euh, quotidiennes, toujours en priant. Et une forme de prière qui est très efficace, c'est la louange. Et nous avons vu que le Seigneur promet d'agir. Parce qu'il va pas laisser sa gloire à un autre. Il va agir pour la gloire de son nom. D'où l'importance de comprendre que Dieu tient qu'on lui donne gloire. Si dans votre vie, vous donnez gloire à Dieu. Ou si dans votre ministère, vous cherchez que la gloire de Dieu. Vous allez voir Dieu se manifester. Vous allez voir Dieu se glorifier. Si vous mettez Dieu en avant, malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, nous sommes tentés à nous mettre en avant. Moi, je, moi, je fais. Moi, je, moi, je suis puissant. Moi, je, malheureusement, malheureusement, on se met trop en avant. Et, et voilà pourquoi, des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos églises nous ne voyons pas beaucoup la main de Dieu parce que on se met trop en avant nous allons voir maintenant le, la deuxième chose le Saint-Esprit il vient pour glorifier Jésus on va lire cela dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 15 Chapitre, chapitre 16, verset 13 à 15. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Louer Dieu, c'est appelé le Saint-Esprit à venir glorifier Jésus. Donc le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Et lorsque c'est là aussi est votre objectif, croyez-moi, vous pourrez marcher avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit prend plaisir à travailler avec vous, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où il peut vous amener. Vous ne pouvez pas imaginer de miracles qu'il peut faire. Notre Dieu est tellement puissant. Un peu des autres, bon Dieu est puissant. Le premier obstacle, c'est nous. C'est nous les hommes. Moi. Moi. Moi, j'ai. Moi, j'ai. Moi. Nous, nous mettons trop en avant nous cherchons trop à nous mettre en avant et nous allons à côté du plan de dieu nous allons à côté et parfois je suis choqué de voir l'absence de la puissance de Dieu manifestée dans nos églises. On parle d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui bénit, et parfois on ne voit pas ces choses dans nos églises. Dans l'église primitive, les gens venaient pour voir et ils voyaient. Les gens, les gens voyaient Dieu agir. Mais Dieu agit, le Saint-Esprit est avec toi lorsque tu cherches la gloire de Jésus. Malheureusement, nous cherchons trop notre gloire. Nous voulons trop être connus et reconnus. Nous allons voir aussi que la louange attire la présence de Dieu. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Louer Dieu, c'est amener la présence de Dieu dans un endroit. Lorsque nous louons Dieu, nous amenons la présence de Dieu. Là où nous louons Dieu. Voilà pourquoi, en cas si vous voulez que le Saint-Esprit soit présent dans votre maison, mettez souvent la louange dans votre maison. Si vous voulez que le Saint-Esprit soit présent dans votre, dans votre vie, mettez la louange, souvent. Louez souvent Dieu. Vous allez voir. D'ailleurs, quand, je vous dis cela, ça c'est par expérience, lorsque quelqu'un est envoûté ou attaqué spirituellement dans la sorcellerie, la première chose que l'on constate, c'est que la personne a une lourdeur. Lorsqu'il veut prier ou lorsqu'il veut louer Dieu, il y a une lourdeur inexplicable. C'est ça qui explique pourquoi certaines personnes ont du mal à prier parce que quand les démons ou l'esprit mauvais elle vient dans la vie d'une personne, la première activité qu'il veut faire arrêter, c'est la louange. Le diable n'aime pas qu'on donne la gloire à Dieu. Le diable ne supporte pas que vous élevez le nom de Dieu. Mais si vous voulez que Dieu vienne dans un endroit, dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie, passez du temps à le louer. Quand vous êtes dans la voiture, mettez des louanges et parlez en langue si vous avez ce don de parler en langue ou chantez avec le CD dans votre maison ou dans votre voiture. C'est très important. Et vous allez voir une transformation dans votre vie. Vous allez voir une transformation. Vous allez voir un changement extraordinaire. Et plus vous louez Dieu, plus vous allez commencer à expérimenter sa puissance. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est capable. Amen. Nous allons voir. Ce passage de, de Josué, Josué chapitre 6 à partir du verset 4. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le premier jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne rétentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors le mirail de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Voyez. Regardez. Lancez des cris de joie et de triomphe. Voilà un exemple d'une délivrance grâce à la louange. Il y a des forteresses invisibles qui tombent que lorsque vous louez Dieu. Voyez, la ville de Jéricho était imprenable. À l'époque, bien sûr. C'était une ville qui résistait à toutes les attaques. Et personne n'arrivait à prendre dans cette ville parce qu'il y avait un grand mirail à l'époque qui était euh, un chef-d'œuvre. Alors les enfants d'Israël sont allés devant ce grand mirail et leur imagination, leur force, leur génie s'est arrêté là. Humainement, c'était pas possible. Du pénétrer ils n'avaient pas l'équipement ni l instrument, les instruments nécessaires pour pouvoir s'emparer de cette ville c'est alors que dieu va leur demander de le louer par la foi je pense que nous tous d'une manière ou d'une autre nous passons des moments où tout semble perdu des moments où on peut rien faire. On peut rien espérer. Nous tous. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être problème de santé. Problème des démons. Et surtout, ce dernier temps, je reçois beaucoup de frères et sœurs des Antilles qui sont envoûtés. Qui sentent des présences qui sentent des bêtes qui marchent sur leur corps, qui sentent des choses bizarres, croyez-moi, des choses vraiment bizarres. Beaucoup sont envoûtés, ce que j'appelle méchanceté gratuite. Les gens qui leur font ça, c'est de la méchanceté simplement gratuite. Et ces gens cherchent le secours. Ils cherchent un secours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus peut vous aider. Rien n'est trop dur devant Dieu. Rien n'est trop compliqué. Et les enfants d'Israël sont arrivés devant ce genre de miraille. Un problème qui dépasse leur tête, leurs moyens et leurs forces. Dieu leur a dit, louez seulement. Mettez-vous à louer seulement. Et faites cette fois le tour de la ville. Et après lancer des cris de triomphe. Voyez. La louange fait crouler des forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est, ça peut être une malédiction, ça peut être une puissance démoniaque qui est là, qui te résiste et qui ne veut pas dégager, qui ne veut pas quitter ton chemin. Ça peut être un esprit qui te bloque dans quelque chose. Un esprit qui bloque ton mariage. Un esprit qui bloque la conception d'un bébé. Un esprit qui te rend stérile. Un esprit qui bloque ton travail. Il y a plusieurs formes de blocage. Mais je n'ai pas dit que toute personne qui n'arrive pas à trouver le travail est obligatoirement envoûtée ou bloquée. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui passe un moment difficile... Est obligatoirement bloqué, mais oui, certains sont bloqués par de puissances occultes, par des esprits méchants qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Le diable ne vient que pour égorger et tuer, et Jésus est venu donner sa vie pour que nous soyons heureux. selon voir dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez, une forteresse, c'est des parpaings posés les unes sur les autres, ou dans l'antiquité, c'est des pierres posées les unes sur les autres. Et qui forme un muraille énorme, et difficile à grimper ou à, à, à écraser. Donc, cela, c'est l'image des différents raisonnements. Lorsque vous emmagasinez beaucoup des accusations, si tout le temps les gens vous disent, vous, vous, vous disent, tu es incapable, tu es incapable, ton père dit, tu es incapable, ta mère dit, tu es incapable. Partout, on te dit, tu es incapable. Et toi, au fond de toi, tu prononces, tu es incapable. L'incapacité deviendra une forteresse. Toutes ces paroles-là, c'est comme des parpaings ou des pierres qui sont entassées les unes sur les autres et qui un jour vont former une forteresse. Une forteresse énorme où vous aurez du mal à croire en vous, à vos capacités, au talent même que Dieu vous a donné. J'ai vu des gens qui ne croient plus qu'ils peuvent s'en sortir. J'ai vu des gens qui ne croient plus qu'ils soient intelligents. J'ai vu des gens qui ne croient plus en eux, tellement qu'on les a rabâchés. La même chose, vous n'arriverez pas. Je connais une, une femme qui n'a connu qu'un qu homme et son mari lui répétait tout le temps, après moi tu ne trouveras jamais d'homme. Aucun homme ne te voudra avec des enfants au fur et à mesure que son mari lui rabâchait ça, la dame a fini par croire cela. Elle a fini par croire que à part son mari, il n'y a aucun homme qui pourra s'intéresser à elle. Elle a fini par croire ces paroles négatives. Le résultat était catastrophique. Et à un moment donné, cet homme a commencé à la tromper. Elle ne voulait pas se séparer, elle me disait, euh, pasteur, j'ai peur de me retrouver seule. Mais une belle femme, c'est une belle femme. Mais comme elle n'a connu qu'un seul homme, et que cet homme-là n'a fait que le dénigrer, cet homme inconsciemment a battu une forteresse. La dame ne croyait plus en elle. Elle se croyait plus belle. Elle ne croyait pas qu'un homme pouvait s'intéresser à elle. Et surtout avec ses deux enfants, aucun homme n'allait accepter ses deux enfants. C'était devenu une forteresse. Il a fallu que je puisse l'aider à comprendre que la vie continue, que même si son mari s'en va avec une autre femme, elle peut redémarrer à zéro et qu'elle était belle. Il y aura toujours un homme qui va s'intéresser à elle. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pu trouver quelqu'un qui l'aime telle qu'elle est et qui l'a soutenue. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Il y a des forteresses qu'il faut renverser. Mais par la louange. Par la louange. Voilà pourquoi vous devez vous engager dans une vie de prière. J'avais dit euh, ce dimanche. Vous voyez, euh, l'imposition de main est un coup de main. Tu ne peux pas vivre par imposition de main. Il faut que tu vives par ta foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Malheureusement, nous avons des gens qui veulent vivre par l'imposition de main. Il y a des gens, à la maison, ils n'y prient pas. À la maison, il ne cherche pas la face de Dieu. Et il, il compte seulement sur l'imposition de main du pasteur. Vous voyez, quand une voiture a un problème mécanique, parfois on la pousse pour qu'elle elle prenne de l'élan et après qu'elle continue à rouler d'elle-même. Mais lorsqu'on pousse une voiture plusieurs fois, elle ne roule pas d'elle-même, on l'abandonne pour qu'elle soit amenée par un camion dans un garage et être réparée. C'est le même problème que nous avons. Lorsque vous venez à l'église, on prie pour vous. C'est un coup de main qu'on vous donne. On essaie de vous donner l'élan pour prier. Mais il faut que vous ayez une vie de prière personnelle. Le matin, vous vous réveillez, vous louez le Seigneur, vous priez. Le soir, avant de dormir, vous louez le Seigneur, vous priez. Et quand vous allez au travail ou quand vous retournez du travail, durant le trajet, vous louez le Seigneur, vous priez. Vous, vous menez vous-même une vie de prière qui va permettre au Saint-Esprit de vous guider, de vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Vous devez vous engager à prier. Regardez Jésus-Christ qui était un homme parfait. Léon Dieu, un homme parfait. Jésus-Christ était un homme sans défaut. Mais il passait toute la nuit à prier, comme d'habitude, comme à sa coutume. C'était la coutume de Jésus. Pourtant, il était un homme parfait. À combien plus forte raison des hommes imparfaits comme nous? Nous avons besoin de prier pour avoir l'aide de Dieu. C'est ça l'importance de la louange. Les jours où j'ai vu l'importance de la louange, c'est le jour où je suis allé à Petit Canal pour désavouer une maison. Vous voyez, j'ai entendu parler du diable. Oui, bien sûr. J'ai déjà entendu la voix audible de, de, de Satan. J'étais à Rissorengis, je me rappelle, il y a plus de 28 ans, lorsque j'avais quitté une église, après une réunion des anciens qui est terminée vers 1h du matin, j'allais avec ma mère et mes enfants pour prendre le train. À 1h du matin, quand je suis arrivé à la gare, il n'y avait plus de train. J'ai entendu une voix derrière la gare qui parlait. Une voix, pourtant il n'y avait pas d'électricité hein, dans cette gare-là mais une voix qui ressemblait, qui parlait comme dans un ampli. Humainement, c'est impossible qu'une voix soit aussi forte et ait un tel écho à l'endroit où nous étions. C'était terrible. Et je vous dis, c'était avec un témoin. C'était avec un témoin. Alors, je suis arrivé chez cette dame-là, à Petit Canal. Quand on ouvre la porte, on entre, on voit des pierres partout, de l'herbe dans la maison. Je demandais à la dame, mais qui a fait ça? Elle va me dire que ce personne, que sa maison était comme ça, propre, et il n'y a pas un homme qui est passé par là, c'est le diable, c'est, l'herbe est rentrée comme ça. Croyez-moi, j'ai, de psychologue même, une amie et sœur en crise psychologue qui peut témoigner parce que elle a assisté aussi, elle à ça. J'ai eu du mal à croire. La dame m'a dit, écoutez, on peut faire l'expérience, on remet tout en ordre et on sort. On a ramassé l'herbe, on a mis dehors, on a ramassé les pierres, on a mis dehors, on a rangé la télé, on a rangé... C'était un duplex. On est monté à haut dans la chambre, on a tout rangé, on est sorti. Bien aimé, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, on ouvre la porte. C'était le chaos dans la maison. Il y avait des herbes dans la maison. Il y avait des pierres. Les chaises étaient par terre et pourtant on n'a entendu aucun bruit. Croyez-moi, c'était impressionnant. C'était impressionnant. C'est la première fois que j'ai vu une telle chose. J'entendais parler de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, mais je pouvais pas imaginer que ça existait comme ça. Et alors, on s'est mis à louer Dieu. J'ai seulement dit aux frères et sœurs, était, il y avait à peine cinq qui m'accompagnaient. On va chanter un cantique. On n'a rien fait du tout à part chanter louer Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Nous chantons Alléluia, nous chantons Amen. On a chanté ça. Et après, je dis à la dame, tout est en ordre. La dame m'a pas cru. Elle m'a dit, au, 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 au. vous n'avez fait que ça. Je dis, mais oui, on a loué Dieu, tout est en ordre. Elle ne me croyait pas. J'ai dit, écoutez, maintenant sortons. Vérifions. On est sorti. On a fermé la maison en haut et en bas. Il n'y avait personne à l'intérieur. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre. Tout est en ordre. On a refermé. On a attendu 10, 20 minutes. On réouvre. Tout était en ordre. Le démon a pris la fuite. Croyez-moi. Si vous voulez désenvoûter votre maison, parfois, il ne suffit pas seulement que je vienne. Mettez un cantique de louanges, commencez à louer Dieu, commencez à chanter des cantiques, glorifiez Dieu et réclamez le sang de Jésus-Christ sur votre maison, sur votre chambre, sur tous les murs, sur toutes les fenêtres. Réclamez le sang de Jésus. Vous avez le pouvoir. Vous avez le même pouvoir que moi. Si on ne vous l'a pas dit, je tiens à vous dire que si vous êtes chrétien et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez le même pouvoir, la même puissance que moi. Bien sûr, on n'a pas la même foi. La puissance se manifeste proportionnellement à votre foi. Plus vous avez une grande foi, plus la puissance de Dieu va se manifester. Je tenais à vous dire que nous avons tous la même puissance. Exprimez-vous par la louange. Louez le Seigneur, glorifiez-le, chantez à sa gloire. Le Saint-Esprit lui viendra glorifier Jésus dans votre vie. Le Saint-Esprit viendra manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. C'est très important. Voilà un peu la première partie. Et bientôt, vous aurez la deuxième partie. À bientôt.